moi, je pense que les solutions... C'est politique. C'est politique, voilà. Ces personnes en haut, ils ne s'occupent pas, comme je l'ai répété déjà deux fois. Nous, on va mourir dans pas beaucoup de temps. Toi, en tant que professionnel, tu vois ce point course comme d'un mauvais œil? Pour toi, c'est pas bien? C'est pas bien parce que rien, il vient à la filière. Et quand tu joues sur l'hippodrome, c'est pareil? Oui, dedans, il a beaucoup de slots aussi. Ah, il y a des machines à sous dans l'hippodrome aussi? Machines à sous. Oui, oui. Donc, c'est les personnes, il a 10 à jouer. Si je... Avec tous les jeux que maintenant il a à disposition, il ne joue plus les chevaux. Hein. Et rien, il vient à la filière, donc nous sommes morts, c'est pour ça. Alors, ça fait plusieurs fois que tu me parles de ce qui revient à la filière. Quand un joueur joue 100 euros, combien revient à la filière? Maintenant, personne ne sait. Avant, nous avons la legge Mangelli, c'est un petit peu comme le PMU. Un pourcentage, comme dire le 5, le 6, le 4% du jeu total, il va à la filière. Pour les chevaux seuls, pour tous les chevaux. Maintenant, personne n'y comprend. À parler avec le secrétaire du ministre. Lui m'a dit, je rappellerai toujours cette chose, m'a dit, tu es français, tu penses à la France, il est fort la France, il est fort la France. Nous, on prend le double de jeu que la France. En Italie? Oui, l'État, il gagne le double de jeu. Et c'est pour ça qu'il ne redonne rien à la filière. Aussi de rester ici et faire quelque chose pour mon pays. Et puis tes chevaux doivent être contents aussi de revenir ici parce que les herbages sont magnifiques, c'est remarquablement entretenu. Vous avez vu quelque chose, nous ne sommes pas les derniers. Nous ne sommes pas le même niveau de la France parce que vous avez une agriculture qui est la troisième du monde. Nous ne sommes pas compétitifs sur ça, mais nous sommes compétitifs un petit peu avec les chevaux, nous avons un petit peu de qualité et on travaille pas mal. Et avant. Maintenant, tout il va baisser. Je ne sais pas, après, ce qui se passe pour nous. Je pense, hein, la majorité des personnes, il est avec toi. Tu as vu comment ils sont partis? Bon. Et dire que si ça se trouve, on est en train de voir des classiques. Oui, pourquoi pas. Nous avons supporté toutes les crises, mais cette crise-là, c'est la plus dure de, je pense, personne, les vieux, ils ne se rappellent pas une crise comme ça. Peut-être après la guerre, mais c'est sans la guerre, arriver à des choses comme ça.